mesdames et messieurs, ici pour stadion. Nouvelle qui vous attend. Message qui vous attend. Abonnez-vous ici pour stadion. Qui était organisé avec le président côté secteur syndical là, nous t'es positionné nous. Effectivement, nous connaissons une crise électorale, mais dans le consensus, nous avons ce dialogue là, Jean que le président commence à faire avec nous et il a fait avec un paquet d'autres secteurs pour que nous capable trouver une solution à la crise là. Effectivement, et proposition nous fait président, nous clair, une crise électorale sont crise d'État. Les trois pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le Parlement, ils doivent mettre tête ensemble pour qu'ils soient capables de trouver une solution. Nous, même au niveau secteur transport, au niveau secteur syndical, là, de manière générale, nous parlons du président, application et article 289 Constitution. Dirigé par décret, il y a avantages, il y a inconvénients, mais tant que nous sommes capables d'enliser nous vers un chemin démocratique, côté capable de solution durable, côté qui est capable de stabilité en un pays et nous pensons c'est sous toute base le secteur syndical la discuter avec le président. Nous estimons que c'était une très très bonne rencontre. Le président a montré nous très très ouvert, lui d'accord avec notre pays a dû diriger avec tout le monde, mais il y a des gens qui gagnent une responsabilité pour assumer responsabilité. Nous analyser toute situation que nous connaissons. Nous mettons plus l'accent sur le dialogue avec l'IA entamé. Et nous croyons que le dialogue là, c'est un passage obligé qui pourra aboutir à une solution éventuellement avant même 12 janvier à t'arriver. Et proposition en pile, continuez avec le dialogue là, continuez à rencontrer l'autre monde qui est impliqué dans la crise là ou bien le monde qui est dans le secteur, dans toute vie nationale là. Mais tout, nous dit le président, songez que. Il est le président de la République, il a sa responsabilité, son engagement, c'est lui seul qui gagne. Si le pays a sauté pour le dobe dans le tuboum, il a un grand monde, le premier responsable, c'est lui. À ce moment-là, il y a des cas fous, il faut que lui-même assume la responsabilité en tant que président de la République. Nous continuons avec la consultation. Et nous continuons à étendre des idées différentes. Nous continuons à étendre des idées de groupes qui contraires à groupes qui viennent avant. Mais c'est ça. C'est parce que nous avons le même sujet. Donc ce sont les mêmes propositions qui toujours tournent. Mais l'idée, c'est que pour moi, qui a tendance, soit fait de tendance, pour moi, qui quantité de monde, qui force monde. Qui t'a plutôt qu'une avancée, non sens ou non l'autre. Donc, je dis que nous avons approché de fin de rencontre. Si je ne me trompe pas, dans le sens pour nous être ouvert, nous avons une dernière proposition qui fait à l'opposition qui allait au-delà du 18, nous avons pour le 19. Et nous avons cette dernière opportunité qui a peut-être ouvert. Je ne pas dire dernier parce que je ne vais pas dire jamais ni dernier. Mais dans la logique que après le 18 n'a pas fermé, dernier rencontre a fait demain et qu'on possibilité pour que le 19 puisque nous font lettre à sénateur, à parti politique de l'opposition pour nous voir qui éventualité gain pour nous rencontrer. Ça fait combien de lettres et combien d'invitations qu'on fait, donc nous avons nos réponses. Alors, son excellence Strasbourg demande lancer un message pour la population pour attendre que vous gagnez deux ou même. Mais ça vient pour la population, c'est que l'engagement n'a pas changé, la promesse n'a pas changé. Est-ce que nous avons dit nous réussi dans toute bagaille? Je dis non. Mais est-ce que tout nous fait un pile avancer sous des promesses que nous avons faites? Je dis oui. Est-ce que je suis satisfait? Sous engagement, je suis satisfait. Sous ça que nous avons fait, nous ne sommes pas satisfaits. Il y a un pile de bagaille qui nous fait. Chaque lap qui tombe là, son problème n'y est pour moi parce que. Problème population, c'est problème président République là. Et nous c'est des monde sérieux qui soucieux de bien faire
et de délivrer quand même mon Dieu. Donc chaque fois on l'a plus tombé dans un moment ça pendant qu'on a ces périodes d'inondation et quantité de l'eau qui soit dans le sud, soit dans le nord, soit dans la grande rivière du nord, soit à Carrière, soit à Cabaret. Et donc lui est un problème pour nous. Nous pas satisfaits dans le sens que retons paquet de bail pour faire. Mais nous su que ça nous promettre là, tout le monde s'est là venir que c'est force de défense que me promettre pendant la campagne, que c'est l'école gratuite que me promettre. Tout gain déjà des ajustements pour faire parce que c'est des nouveaux projets et que c'est dans la reconstruction pays là, que c'est dans pas oublier monter président avec tout ton peuple dans la rue là, en battante. Faut pas jamais oublier ça. Faut pas jamais oublier ça. Vous dire regarder espace côté tu gain camp avec tante pour ça ressembler, je veux dire. Garder infrastructure sportive, garder les réformes qui va faire au niveau de l'éducation, garder l'école professionnelle. Yo. Parce que dans Jérémy seulement, l'école qui fait l'Assemblée, ancien palais national, là, dans la dimension que lui a, c'est vrai. Et moi, souris, mais même vidéo à le visiter. Et faut qu'il fait pour élèves qui sont talentueux, c'est eux qui viennent booster. C'est important. Ce n'est pas mon pack by boost. C'est l'oreille que nous prenons pour aller étudier Mexique, nous aller étudier le Brésil. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse dans la santé. Vous dire l'hôpital qui est naïf là, sous mon photo, le bac à quoi? L'hôpital qui est mis à l'air, sous mon photo, le bac à quoi? L'hôpital qui a fait dans Simbi Continental là, hôtel, mon bac à quoi? Et le fait que 5 hôpitaux inaugurés non seul mois de mai, mon pas quoi? L'hôpital Bedet, l'hôpital Bon Repos, l'hôpital Akachon 32, l'hôpital Fatma dans Okaï. Et dans l'hôpital général, nous devons faire deux centres. L'hôpital général Okaï, nous devons faire centre gynécologie et centre pédiatrique. Non seulement, on va inaugurer 5 barrages comme ça. Sans compter l'institution qu'on a mis sous pied. CEP a fait un feedback là, conseil électoral permanent de faire, il a fait un feedback. Un feedback pour me montrer bonne volonté. Mais si l'institution m'a mis sous pied. Le chaos, le casse. Conseil et supérieur salaire. Conseil supérieur salaire et institution qui gère ONA, c'est Caros. Caros, qui a géré la population ONA ou instance privée. Hein? Qui ça nous fait qui le CSPJ qui bat le pouvoir judiciaire indépendance au niveau institution. La présidence qui prend un retrait par rapport à Jean gouvernement à Pierre. La présidence, je dis à l'exécutif, nous fait la grande politique, la grande vision. Nous sentons hiérarchie, nous quitter le premier ministre géré, ministre. Pas là pour le président me dit fais ça, voyez ça, montez ça, nous assurer nous que ben on a fait je nous mandé mais nous pas d'ingérence là ou AVCT mandé cob non APN prend cob pas gain ça et donc dans sens ça même le corruption li dans mentalité nous il dans en pile pays li comme ça et n'a goumen pour nous combattre nous renforcer ULCC n'a renforcer la police nationale n'a renforcer pouvoir judiciaire à travers indépendance à travers institution et n'a gérer n'a ba exemple et modèle nous dans jeune gérer tout le monde qui a dit président Matéli corrompu c'est ba qui plus facile là ba qui plus difficile là éprouver tout le monde qui a dit petit président madame président corrompu ba qui plus difficile là c'est prouver. Tout le monde a dit petit président dans kidnapping, mais c'est président qui a campé avec kidnapping dans un moment. Donc, est-ce que je suis satisfait? Redan pile bagay pour fête. Mais est-ce que bagay a avancé? Moi, je sens pays a pris l'autre direction. Sur le plan international, il n'y a pas Haïti dans un pays pauvre qui a demandé encore. Il y a Haïti dans un pays qui a un problème et qui a offert une opportunité. Tout le monde a gardé sur Haïti pour si on a vin. Et explorer possibilité yo tout pour n'a regarder si yo ka connait servir à l'état pour au lieu servir à ONG pour yo servir à l'état pour renforcer institution yo donc pas yo a changé malheureusement soit bâti un pièce le cas prend plus que 2 ans un pièce carré donc soit bâti selon moyen il y a mon qui a bâti un pièce carré qui prend 10 ans tout selon moyen donc soit bâti un pays vous dire parce que le plus que normal pour que avec le peu de moyens que nous avons, avec qualité de problème que nous avons, avec problème de corruption, avec problème et institution qui faible, qui fragile, problème intempérie, catastrophe. Ouais, le fait que des autres, d'eau, en pile côté qui inondé, c'est mauvaise gestion. Non? Mauvaise gestion parce qu'en partant, nous te connaissons qu'avec un série de la pluie, zone n'était qu'à inonder.
Mais il a quitté mon bâti là, depuis 30 ans de ça, depuis 40 ans de là. Pas les gens pour... Mais qui a mon bâti? C'est l'État qui peut identifier une zone, il dit bon, zone ça, même si la pluie est tombée, les papillons de, n'a pas fait tel bagage, n'a pas fait drainage, n'a pas préparé l'école, n'a pas mis courant, n'a pas mis... Et puis il y a autorisation à l'habiter là. Mais c'est pas comme ça le fait en Haïti. En Haïti, comme pas de l'ordre, pas de jambes de l'ordre, tout le monde bâti côté où vous voulez, pour l'État le joindre. Mais des fois, mon gens ont choisi mauvais côté pour le bâti, mais c'est là le joindre. Ouais, donc pas gain l'ordre, pas gain discipline, donc nous victimes un paquet de bagaille et la prend temps pour nous renverser mentalité ça. Merci un peu. Il est passé fouet. Et ensuite, alors, il est parti dans les États-Unis. Il fue commandant de troupes. Bajo ordre de Washington. Sous les ordres de Washington. Fue amigo de Washington. Amigo de Lafayette. Amigo de Madison. Ce que quiere que te diga. Alors, participó en la toma de Pensacola. Dans la bataille de Pensacola. Luego ganó la guerra a Washington. Donc il a gagné la guerre. Independencia en Estados Unidos. Independence of the US. Y Miranda se queda un tiempo en Estados Unidos. Escribe mucho. ¿No? Y dedicó un año, dos años. Se va. Llegó a Rusia. Coronel ruso fue. De la corte de Catalina. Se hizo muy amigo de Catalina. De aquel almirante Potemkin. Después se va de Moscú a San Petersburgo. Y eran los años de la Revolución Francesa. Llega a París. Se incorpora al ejército de Bonaparte. Ejército francés. La Revolución. Llega a ser mariscal. De Francia, su nombre está en el arco del triunfo de París. Napoleón lo conoció. Napoleón. Y dijo: es un Quijote sin locura. Es un Quijote sin locura. La folie en moi. Después cae la revolución. La revolución se va a Londres. Se hizo muy amigo de aquel famoso Pitt, un canciller. Pitt, hace vida en Londres. No, y se hace vida en Londres. Y la ayuda. Consiguió algún dinero. Hizo contacto con los revolucionarios de aquí. Edita un periódico. En español, en inglés, francés. Hace contacto con sus viejos amigos de Cuba, de Jamaica, de Venezuela. Y luego, en 1804, se viene. Él le presenta un al gobierno inglés de liberación de Sudamérica, pedía armas, barcos, por supuesto, no lo apoyaron los imperios, se cansó de esperar apoyo y se vino a Estados Unidos. Terminaba 1804. Si mal no recuerdo, era Madison, presidente de los Estados Unidos. Su viejo amigo se entrevista con Madison. Y el secretario de Estado, creo que era Madison, Washington, Champagne. Se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos para pedirle apoyo, porque el objetivo de él era la liberación de Venezuela. No consiguió apoyo. Todo el dinero que tenía, compró un pequeño barco. Era un barco mercante. Consiguió algunos soldados allá. Los contrató. Y los oficiales norteamericanos, casi todos negros, de color negro, los convenció. Buscaron unas armas, un cañón, le montaron un cañón al barco. Se vino y la. Llegó a Haití, de Nueva York a Haití. En Haití entra en contacto con el gobierno revolucionario. Era todavía la Petion ya. Petion. Hola, Bartol. 1804. De salir. Consigue dos barcos más. Consigue 200 hombres. Armas.
La República Libre. Non, la République Libre. Y se viene. Y viene. Le manda una carta a su mujer. Y le en Londres. A Londres. Tenía un niño pequeño. Y le escribe. Y le dice, poco antes de zarpar. Before toda mi vida. My whole life. Desde que incursioné en la guerra. Todo lo que he hecho, está a punto de fructificar. It's about to flourish. La liberación de mi patria. The liberation of my motherland. There I go. And he came. Los españoles sabían. The Spanish knew it. Lo estaban esperando con una escuadra. With battleships. Hubo fuego. They sent one of the ships. El otro lo captura. The other one gets captured. Él escapa hacia Trinidad. Towards Trinidad. Consigue viejos amigos ingleses, un almirante inglés amigo, era jefe de la flota inglesa en el Caribe, lo protege. Aquí en Caracas, en la plaza, ya frente a la Casa Amarilla, ahorcaron norteamericanos, haitianos. No había ningún venezolano, el único venezolano era Miranda. Los ahorcaron. Norteamericanos, militares norteamericanos que vinieron con Miranda. Y haitianos y del Caribe. Casi todos negros. Miranda era blanco. Miranda era blanco. Ahora, luego consigue apoyo con amigos del Caribe. Consigue otros barcos y se vuelve a Venezuela. Y en agosto de 1806 desembarcó. Hizo la bandera. Tomó una ciudad de la costa. No consiguió apoyo. Se replegó. Se fue a Londres de nuevo. Y allá, a los 4 años, le tocan la puerta. Abre la puerta. ¿Quién es usted? Simón Bolívar. El joven Bolívar fue a buscarlo. Habían derrocado al imperio español aquí. Y se viene con Bolívar. Y llegó aquí a los 60 años. Se convirtió en el líder de la juventud revolucionaria. Y montó a caballo y se fue a la guerra. Comandó la primera república. Y fue derrotado. No había ejército, no había condiciones todavía. España lo pone preso. Lo mandan preso a Puerto Rico y después a España y murió en 1814 en la prisión en Cádiz. Pero hoy está bien por esta gente. Ha vuelto. Y cuando tú vienes aquí y te tocamos el himno y los soldados nuestros te rinden estamos rindiendo a ti primero, pero detrás de ti hay 200 años de historia y tenemos conciencia y a ti también, a Estados Unidos, a Estados Unidos, a América a pesar. Imagina tú. Bueno, vamos a conversar allí. Pasa. Mesdames et messieurs, boa tarde. Novelo, que o atama. Mensagem, que o atama. Abonne-nos, boa tarde.